restons debout. Pour le message de ce matin, nous avons deux textes que nous considérons comme textes de base. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27. Et le deuxième texte, Philippiens chapitre 3, versets 12 à 16. 1 Corinthiens, nous lisons le tout premier. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27. Il y est écrit ceci. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, versets 12 à 16. C'est toujours Paul qui parle. Chapitre 3, versets 12 à 16. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi-même j'ai été saisi par Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter les prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons des mêmes pas. Acclamons la parole de Dieu. Merci, nous pouvons nous asseoir. Vous avez acclamé timidement. Tobeteli malobananzambe maboko. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, le 28 février, la calendrier ASEPCO, c'est le dimanche qui est consacré à la journée de la ASEPCO. Alléluia. Je me souviens quand on était encore jeune, au début, quand moi j'ai intégré la ASEPCO. Quand on vous parlait de la journée de la ASEPCO, c'était une grande fête. Et en ce jour-là, Ogomona ba mama nyoso balati bilamba sebeko. Alléluia. C'était un grand jour pour nous. Pourquoi? Parce que on se disait que bon, personnellement je considérais cela comme un jour où nous devrions tous rendre grâce au Seigneur pour cette grande communauté qui nous a donné. Vous savez, quand une fois nous sommes allés à Guémena, tout petit formation sur la mission, et Totouni, parce qu'au départ, quand nous sommes arrivés à Guémena, les gens minimisaient un peu notre communauté. C'était une petite église. Natouni Bandekwana, qui peut me dire la première église protestante où ils allaient implanter dans la RDC? Alors, bisoto landaka ordre et enregistrement na SSC Non. Boyebite, c'est la SEPCO. Alléluia. La SEPCO est la première église protestante où ils ont été implantée ici en RDC par les missionnaires. Une grande église depuis 1878. Moi, je suis fier. Ya kozala mwana SEPCO. Alléluia. Je suis fier. Mingi, bayebi nzambe na na SEPCO, ba salibetude na SEPCO. Et SEPCO, bimisa, batuminene.
C'est ainsi que quand on parlait de la journée de la Sepkozaki Mokolo, en principe, on se réunissait pour rendre grâce au Seigneur. Parce que par la Sepko, Toyebaki peut toucher. Nous avons touché beaucoup de gens. Et aujourd'hui, beaucoup d'églises, ma pasteur est belé, ma salib église indépendante, mingi ba outi na sep, des grandes églises. Donc autant qu'on ba louange avec les ngalasi. Qui d'autre? Sonui Mukwenze, Patrice. Patrice, son frère Patrice, la voisin moi na sep quoi. Ma frère Matou, Matou a dit moi na sep quoi, Bumbu, non, Kito Kimosi, Matou Samuel. Il a chanté là-bas. Bamoussou comme. Pardon? Bakiboutou, Batoua sans précieux. Vous avez mon abat dans cette voie beauté. Nous sommes une grande église bien-aimée. Mais les lots, bisous, mon la to bossana na biso communauté na biso. Communauté kita et kita et kita penza na niveau moko ezali que beaucoup de gens aujourd'hui, même nous qui sommes tolo bagana biso moko qui sommes de la communauté, quand vous leur parlez de la journée de la Sepko, parce que c'est un jour non seulement qu'on rendait grâce au Seigneur, mais c'était aussi un jour où tout le monde apportait son offrande pour et à la contribution na ye na fonctionnement ya Sepko, contribution financière. Et c'est avec joie qu'on les donnait, avec joie. Ici à la paroisse Naébité, ça fait combien de temps qu'on ne parle plus de cette journée? Nous nous sommes dit que non, c'est une erreur aussi pour nous les pasteurs, parce que nous envoyons quand même une contribution pour la journée de la Sepko. Mais non, il faut tout l'obé la kango. Tozonge la Sepko na biso akala. Alléluia. Tozonge la Sepko akala. Bien aimé, dans le texte, les deux textes que nous venons de lire, le tout premier d'abord, Paul azo l'obé la. Lolenge batu. Baki makambangu na stade et bangonyo so bazo ki mambangu me moko kaka muta ko remporter prix et Paul nous appelle à pouvoir courir de manière bisopeto et bako remporter le prix. Quand vous lisez les textes de Paul, vous allez vous rendre compte que Paul utilise beaucoup image à sport pour comparer un peu faire une comparaison avec la vie chrétienne. Et ici, on nous apprend que Paul, par rapport à la métaphore, il fait souvent référence à cela. Même dans le deuxième texte que nous venons de lire là, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. Il se référait souvent na bandeko ba ko sala ba course à pied. Et on nous dit que Paul, par rapport à cela, il était beaucoup influencé na sport et parce que il a vécu cela. Balobi pendant 3 ans par exemple, il avait vécu na ville à Éphèse où se trouvait un très grand amphithéâtre dans lequel se déroulaient quelquefois les jeux olympiques. Et lui, il était témoin de cela. Certainement, il a dû participer à cela, que ce soit avant ou après sa conversion. Et on nous dit que certainement, il était un amateur au départ des sports et surtout de la course à pied. C'est pour cela que, comme je venais de le dire dans ses écrits, il utilise souvent des épreuves athlétiques comme métaphore par rapport à la vie chrétienne, qu'on compare vie chrétienne à dans ma activité sportive et particulièrement athlétique. Alléluia. Et on nous apprend que ce jeu attirait beaucoup de gens. Et les gens venaient de partout pour participer à ce jeu. Soit comme joueurs, ou tout simplement pour d'autres, c'était juste pour assister. Et les athlètes qui étaient en compétition, ils avaient dans plusieurs disciplines. C'était deux fois de course à pied, deux fois c'était de saut en longueur, comme nous le vivons aujourd'hui, quand il y a des Jeux Olympiques. J'étais de disque, javelot, la lutte, boxe, gymnastique, de concours équestre, etc. C'est-à-dire de course à cheval. Et si Paul fait référence à la couronne,
Parce qu'il nous dit de courir de sorte à gagner, à remporter le prix, à remporter la couronne. Il se réfère aussi à ce qui se passait dans ce temps-là. Na course nyonso, na discipline nyonso, on réservait une couronne aux gagnants. Vous savez que salé ma mingi mingi na ba feuille de laurier. Sangisi yango ba salé ko la moi couronne et on te fait porter cela. Non seulement qu'il y avait cela comme prix, mais en dehors de cela, la personne qui gagnait cette couronne était exempté. Yoka bien. Il était exempté toute sa vie à payer des impôts. Donc il ne paye plus les impôts pendant toute sa vie parce qu'il avait gagné aux Jeux Olympiques. Et les gens se battaient par rapport à cela. Et les gens se préparaient sérieusement parce qu'ils se disaient que je dois remporter la couronne. Parce que quand il rapporte, entre autres, il ne paye plus jamais les impôts. Alléluia. Et dans le temps, il y avait les services militaires jusque-là, il y a certains pays qui continuent à l'observer. Il était aussi exempté du service militaire. Non seulement cela, quand il est jeune, il doit entrer par exemple à l'université, parce qu'il y avait déjà des universités à l'époque, pas comme celle d'aujourd'hui. Mais tout, il va bénéficier d'une instruction universitaire gratuite à Kotanga Ofele. Comprenez un peu comment ça attirait les gens à cause de la couronne de prix. À ce couronne, en plus il y a couronne. À ça exempté, il ne paye pas d'impôts pendant toute sa vie. En plus de cela, il est exempté du service militaire et il va étudier à l'université gratuitement. Ça ne se limite pas. L'amphithéâtre Zalaki un peu en dehors de la ville et les gagnants. Parce qu'on érigeait statut naïe, hein, bah ériger statut naïe, bah tiango nanzela oyo eza pour mener vers le stade. Donc quand tout le monde là-bas, édition prochaine, allait au stade, tout le monde voyait la statue du gagnant des Jeux Olympiques passer. Ou les statues. Alléluia, parce qu'il y avait plusieurs disciplines. Alléluia. Et les gens étaient fiers de cela. Et c'est pour cela que je suis en train de dire que les gens s'est donné particulièrement la formation. Et c'est pour cela que Paul nous dit ici qu'il leur fallait une discipline rigoureuse. Les gens se battaient, les gens se sacrifiaient pour que finalement, s'ils gagnaient, qu'ils profitent de tout ce que nous venons de décrire ici. Quand Paul nous écrit, il écrit cette épître. Ça faisait 30 ans qu'il venait de se convertir. Et par rapport à son expérience, et par rapport à d'autres chrétiens, Paul était comme un géant, comme nous disons aujourd'hui, un baobab parmi les chrétiens. Parce qu'il était une référence pour les gens de son époque, une référence, un modèle. Mais Paul, par humilité, il ne voulait pas. Il ne voulait pas faire planer un moindre doute par rapport à son véritable état spirituel. Il reconnaissait ses faiblesses. Il reconnaissait ses faiblesses. Et il les avouait avec franchise. Quand vous lisez ce texte, vous comprenez que ce grand géant qui se considérait comme étant un faible, quelqu'un qui n'avait pas encore atteint la perfection et qui continuait à se battre pour atteindre la dite perfection, alors que d'autres avaient d'autres considérations par rapport à sa vie chrétienne. Alléluia. Mais lui, il se disait que j'ai encore à me battre. Je dois continuer à fournir des efforts pour que à la connaissance de Jésus. Alléluia. Donc il poursuivait la course de la vie chrétienne avec persévérance. Alléluia. Et la volonté de Paul, c'est quoi par rapport à ces deux textes que nous venons de lire? Quand Paul se sert de cette image, pour l'image du coureur pour nous enseigner, c'est pour nous dire que, bien-aimés, nous nous considérons comme de géants spirituels. Paul veut te dire tout simplement que continue la course. Alléluia. Tu n'as pas encore atteint tout ton potentiel spirituel comme lui. Continue à courir,
continue à te battre et te fais encore beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, parce que tu n'as pas encore atteint la maturité voulue par le Seigneur. Amen. Tu es encore un bébé spirituel, tu te considères comme un bébé spirituel. Paul te demande de faire aussi des efforts. Engage-toi dans la course et jusqu'à ce que tu vas atteindre les objectifs que le Seigneur a assignés pour toi. Il faut courir, oui, d'accord, mais courir jusqu'à quand? Jusqu'à ce que nous allons atteindre l'arrivée. Quand nous ne savons pas comment, Dieu seul le sait. Mais Dieu nous enseigne par rapport à ce que nous devons faire pour que nous réussissions, nous arrivions à la fin, qu'on n'abandonne pas. Comme déjà pour nous dire, Dieu nous a donné une communauté, nous l'avons soutenue à un certain moment avec force, mais aujourd'hui nous sommes en train de l'abandonner. Alléluia. Le prix de la vocation céleste à gagner, Paul parle de quel prix? Bon, quand nous parlons de prix, nous pouvons peut-être croire à des motivations égoïstes. Nous ne venons pas, nous ne travaillons pas dans l'œuvre de Dieu en visant, en voyant d'abord nos propres avantages, ça c'est vrai. Mais n'oublions pas que la Bible nous parle aussi des prix. Et Paul en parle et la Bible nous dit que, il dit par exemple, l'ouvrier mérite son salaire. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas ici question, il n'est pas ici question de mauvaise motivation, mais plutôt de la justice de Dieu. C'est Dieu qui s'est payé quand nous nous consacrons avec sacrifice en son œuvre, quand nous savons travailler vraiment pour sa gloire, quand nous savons persévérer dans son travail. Et n'oublions pas, la Bible nous dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail que nous abattons pour lui et pour l'amour que nous ne cessons aussi de manifester pour son nom. Si Paul nous appelle à nous battre, entre autres, c'est pour que nous gagnions le salut. Cet héritage qui ne se corrompt pas, qui ne se souille pas, qui ne se flétrit pas. Et gloire au Seigneur, si nous avons déjà accepté Jésus comme sauveur et Seigneur de notre vie, nous disons merci. Nous avons le salut en Jésus, que Dieu soit loué. Mais si Paul nous demande aussi de continuer à courir, parce qu'il y a aussi quelque chose que nous devons gagner. Nous avons été sauvés, gloire au Seigneur. Mais nous devons nous battre nuit et jour pour garder la communion avec Dieu. C'est tout un combat que nous avons à livrer aussi chaque jour. Alléluia. Et c'est pour cela que par rapport à la communion, Paul dit que je traite, comme nous l'avons lu, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti de peur après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié. Je connais le Seigneur, gloire au Seigneur, mais je continue à me battre pour le saisir, comme Paul l'a dit, parce que lui-même, il a été saisi par le Seigneur en cherchant, en me battant chaque jour pour garder la communion avec ce Dieu qui m'a saisi. Alléluia. Autre couronne à atteindre, c'est la pleine connaissance de Jésus. Je connais Jésus, c'est bien. Je fais tout pour que je puisse toujours garder la communion avec Dieu. C'est une bonne chose. Mais je dois faire un effort, me battre pour que j'ai la connaissance qu'il me faut, la connaissance de ce Dieu-là. C'est ainsi que Pierre nous dit, croissez dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance de notre Seigneur, croissez dans la connaissance de notre Sauveur. Amen. Amen. Vous imaginez Paul, quelqu'un comme Paul, mais qui reconnaît n'a pas avoir atteint, quand il écrivait cela, la connaissance, toute la connaissance qu'il lui fallait, la connaissance de Dieu, la pleine justice de Dieu. Elle ne la connaissait pas encore très bien. Et Paul dit, il s'efforce, il se bat, parce que lui-même, il a été saisi par Jésus-Christ. Autre couronne, entre autres, se faire en sorte que j'ai saisi, bon, Dieu a fait grâce que je le connaisse, que je le serve, gloire au Seigneur. Je me bats pour garder la communion avec Dieu.
Je me bats pour avoir la bonne connaissance de la parole de Dieu, la bonne connaissance de Jésus-Christ, gloire au Seigneur. Et je continue à me battre pour qu'un jour, quand finalement on sera ensemble, je serai à côté de Jésus, je serai dans la maison de Dieu, que j'y sois vraiment comme un vase d'honneur, comme la parole de Dieu nous le dit. Je me bats, je me discipline. 1 Timothée chapitre 2, versets 20 à 21. Paul dit ceci, dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vases d'or et de vases d'argent, mais il y en a aussi de bois et il y en a aussi de terre. Battons-nous, c'est ça ce que Paul dit. Battons-nous pour que dans cette maison, nous y retrouvons comme de vases d'or. Et si nous avons aussi à nous battre, c'est par rapport aussi à l'unité de la foi. Que nous ayons une même confession, que nous ayons une même pensée, que nous ayons de mêmes sentiments par rapport à l'Église et par rapport à l'œuvre de Dieu. C'est là où je vais m'appesantir pour parler un peu plus de la CEPCO. L'unité dans notre façon de concevoir l'œuvre de Dieu. L'unité dans la foi. C'est vrai que quand Paul parle de l'unité dans la foi, il parle plus de conviction fondamentale, chrétienne. Il parle de la doctrine chrétienne. Mais moi, je me dis que, oui, parler de Jésus-Christ ou de la doctrine chrétienne, mais quand nous analysons la pensée de Paul par rapport à ce qu'il entend par unité de la foi, Paul nous appelle à nous battre, à continuer, nous exhorte à lutter, à nous battre contre certains dangers qui nous divisent. Certains dangers qui divisent l'Église. Et ça doit être pour nous un combat. Nous devons nous sacrifier pour l'unité de l'Église. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, pour ça, nous sommes alliés. Bisotoye va se sacrifier pour son Église. Quand nous parlons de l'Église, nous ne voyons pas seulement l'Église locale telle qu'on est là. Et comme c'est la journée de la CEPCO, nous parlons de notre communauté aussi. Oye, Zali, que bien-aimé. Nous devons nous battre pour notre communauté. Corinthiens chapitre 1, verset 10. Paul dit ceci. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, l'unité de la foi, à ne point avoir de division parmi vous, l'unité de la foi, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est vrai qu'il y a des raisons, des choses qui nous ont découragés. Vous savez, pour beaucoup d'entre nous qui sommes nouveaux dans la communauté, ça va nous étonner quand on parle de telles choses. Nous savons. Et c'est pour cela que dans beaucoup d'églises, comme ici chez nous, vous n'entendiez plus parler de la journée de la CEPCO. Parce qu'il suffit seulement d'en parler pour que tout le monde va baloler longi, batale pa imoussous. Et moi je me demande, est-ce que avons-nous raison d'afficher un tel comportement? Non. L'église n'est pas l'église de Ndongana ni du secrétaire général Passé Mbinouki. L'église, c'est l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Moi j'aime bien dire aux gens, bon, c'est vrai, nous allons en parler. C'est parce que nous nous sommes rendus compte que quelque part, il y a certaines personnes qui ont conduit la communauté à un certain moment ne l'avaient pas bien fait. Et à cause de cela, nous nous sommes révoltés contre ces gens-là. Mais moi je me dis, c'est ça la question que je me pose. Nous avons eu des problèmes avec un tel qui était responsable, soit de la paroisse ou pas.
Mais indirectement, nous ne savons pas que c'est Dieu que nous sommes en train de sanctionner. Parce que pasteur alobaki boy nako sala lisusu jamais boy pona lingomba. Nako pesa lisusu te tu ne vas plus à qui. Alléluia. Et c'est ça le problème de la SEPCO. Nous parlons tellement mal de notre communauté que les gens ont cultivé une haine telle que beaucoup de gens ne veulent plus jamais entendre parler du secrétariat général. Généralement, quand on est là, on est calme. Quelqu'un qui vient du secrétariat général, nous allons afficher l'apparence, une apparence telle qu'il n'y a pas de problème. Mais pour ça, c'est dit, si l'issa no kibima o kendoti kabiso kimia. Parce qu'il est venu au nom du secrétaire général de la SEPCO. Il est mandaté par le Seigneur. Alléluia, il faut faire très attention. Vous savez qu'actuellement, il y a deux choses qui menacent vraiment l'unité de l'Église. Il y a la discorde d'une manière générale, mais il y a aussi tout ce qui est fausse doctrine. J'aimerais parler un peu de la discorde. Dans l'église, il y a souvent des dissensions qui opposent les enfants de Dieu. Des gens qui vivent en opposition violente dans l'église, opposition de sentiments, opposition de pensées. Reconnaissons aujourd'hui, bien-aimés, que mingi, mais mingi, bana kala sepko, lelo na makanisito kabwana. To kabwana, na makambo ebele to kabwana. Parce que nous avons été à un certain moment témoins de très très mauvaises choses qui se sont passées dans la communauté. Mais Paul nous appelle, nous exhorte à l'unité. Alléluia. Paul dit, rendez ma joie parfaite. Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée pour l'œuvre de Dieu. Pierre dit, enfin, soyez tous animés de même pensée, de même sentiment, plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Comprendre que tu dois prier pour la communauté, la SEPCO. Nous avons perdu, nous devons le reconnaître, le premier amour que nous avions pour notre communauté, nous l'avons perdu. Alléluia. Alléluia. Et pourquoi? Je vous dis pourquoi. Parce que nous avons été dessus à un certain moment ou jusque-là de la gestion de la communauté. Mais je dis bien que cela n'est pas une raison pour que Bissot sanctionner Nzambe. Dieu n'a rien à voir. C'est entre nous qui c'est nous qui avons des problèmes entre nous. Alléluia. Bandego mingi a sepo a kalabaye bi que beaucoup de terrains de la sepo ont été spoliés. Terrain sepo bateki. Moutouka teki ango pasteur. Vous lendez les dossiers pour comprendre que yé mouka gâte moutate kaki. Azape couvert quelque part. Quand les gens apprennent de telles choses, mais ça c'est quelle église? Non, ne parlez pas de l'église. Comprenez? C'est vrai que ça fait mal d'apprendre que le bien de l'église soit comme ça spolié. Mais au lieu que cela nous décourage, ça doit au contraire nous lever, nous réveiller encore dans la prière. Alléluia. La SEPCO, quand elle était encore soutenue par les missionnaires, recevait des États-Unis à peu près dans les 700 000 dollars par an. 700 000 dollars, il faut compter cela dans le million de dollars que la SEPCO recevait des États-Unis. Et salami, salaminen. Mais tant que Moussousou Pézaki bien utilisé, bien géré.
Robatu mususo bazaki okura ya bwa makambo na pasi na motema. C'est que l'église, non, c'est pas l'église. Batu nini onzamba pesa biso pona ko gérer lingomba. Et ça doit nous appeler, comme j'ai dit, à beaucoup prier pour que nzambe azongi sa vraiment lingomba na ye na etambola na ndenge ya malamu. Nous connaissons aujourd'hui ma pasteur mususu batonga banda kuna bango na kati ya terrain ya église à Tonga. Nous sommes témoins, nous avons travaillé avec certains pasteurs qui sont des fétichistes de Yébi. Et certains membres de l'église sont au courant de cela. Est-ce vraiment la raison pour laquelle Bissotoza, Yendaza fétichiste, ce n'est pas la Sepko qui est fétichiste, Yé. Alléluia. Et par amour pour notre communauté, tant que nous sommes là, nous devons prier pour que Dieu prenne lui-même soin de ce genre-là. Et non que Bissotos à la décourager. Qui sait ce que la stratégie diable a utilisé pour nous faire fuir de la communauté et que eux règnent avec leurs fétiches? Non. Bissot le de Bangonde Bakokima Bissote. Parce que l'église, la Sepo, appartient à Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé, et ça secrété. Il y a des choses qui se passent dans la communauté, c'est honteux. Mais c'est fait par les hommes. Nzambete mutwazo salam. Alléluia. L'unité de la foi. Ané mokobo ya élection en secrétaire. Nzala ba candidat musuba mema ba féticheur au secrétariat général là-bas. Pendant qu'il y a élection, kuna na sima, kuna na ba coin, ba féticheur bazo. Alléluia. Ce qui doit comprendre que c'est l'une des faiblesses que nous trouvons, nous retrouvons dans les chefs de certains de nos leaders. Mettons-nous à prier pour eux. Nous avons besoin de Sabango Nanzela. Que Dieu s'occupe lui-même de tous ces gens-là. Il y a un pasteur qui avait des problèmes, je connais particulièrement ce pasteur-là. Il avait des problèmes à son église, des problèmes très sérieux. Alors l'église a convoqué une assemblée extraordinaire pour traiter de ce problème-là. Lobby assemblée ordinaire, Lelo na Boutou, le pasteur a veillé à l'église. Nabanganga. Pasteur. Alléluia. Quand on vous dit ça, pour que bon monde a niveau, oh bande comme Moussou Bazolinga ko kiti sa Sepko. Et nous, nous devons dire non à cela en soutenant la Sepko par la prière. Alléluia. Et là, Moussou Lembi sa batuna Sepko. C'est qu'à un certain moment, nous avons reçu des promesses. Yabakambi. Ma promesse est Koki Samate. À un certain moment, par rapport à cette journée de la Sepko, la Kakabiso va lobby que bon on soto au Sangisana journée à Sepko, nous allons acheter un bateau. Et ça la kabamushi, banani, tout ça, bateau kot sakambongo et belé. Batou ba pesambongo, tilelo, bateau ane monanate. Beaucoup de gens étaient découragés. Mais si une raison pour abandonner l'œuvre de Dieu, je dis non. Tobo sanate que nous avons un ennemi, le diable, qui est asa stratège mokabo sakanate. Une fois, on avait organisé une prière à Batunion son na cathédrale du centenaire. Et pendant l'appel de fonds, l'officier dit Tozo sangisa mongo toko soa toko soa toko fongo la radio. Radio ya Sebeko. Oh, les gens ont acclamé. Batouba pesa mongo. Radio est son bamate tilelo. C'est vrai, c'est parce que, entre autres, Mbongo et Pesamaki, Kokate. Aujourd'hui, pour avoir un émetteur et radio, le minimum, c'est $100,000. Le minimum. C'est $100,000 pour avoir un émetteur de radio. Et à l'époque, ceux que nous avons réunis, c'était à peine ceux qui battent 10 000. Bon, tous à la paix réaliste, tous sont bas radio. Peut-être c'est parce qu'on ne nous avait pas fait les rapports, nous ne savions pas. Mais, Toyebi, que non, le Kolanga n'a Pesaki. Nazos et la radio, le quoi la radio est mon anité, je me révolte contre la communauté. Bien aimé, comprenez pourquoi la fois passée, quand le secrétaire général est venu ici, il vous demandait pardon. C'était par rapport à tout ceci. Amikotisi na molongwa bakambi.
Be andimi na kombo na bango ba kamyo ba kambaka mabe. Andimi na kombo na bango ke to kambaka mabe. Et c'est comme ça qu'il vous disait bolimbi sabiso. Mais ba oba ye ba kite ba so komitule yango to bolimbi sana nini yango. To bolimbi sana nini yango. C'était par rapport à ceci. Et moi je pense qu'en tant que chrétien, nous ne pouvons pas refuser d'accorder le pardon à celui qui nous le demande. Jamais. Un bon chrétien aza oyoye bakakolimbisa. Même si la personne qui vous a fait du mal ne vous demande pas pardon, mais par nature, par notre nature, biso en tant que banana nzambe to fotolimbisa katango nyoso. N'oubliez pas, quand les disciples de Jésus lui ont demandé de leur apprendre à prier, oyebi prière à notre Père, oyebi loko moza na se, il faut faire très attention na eloko wana to lobaka. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardon. Donc ça veut dire quoi? Nous conditionnons le pardon de Dieu, le pardon que Dieu nous doit, par notre pardon auprès de nos prochains. Et ce besoin, ce sera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que, na texte wana tolobaka, ne nous pardonne pas aussi longtemps que nous ne savons pas pardonner. C'est pour cela mon Christ, ce qui m'outoyait ici est pardon. Il pense à ce qu'il a reçu à la croix. Il pense à ce qu'il a reçu de Jésus-Christ. Si vous n'aviez pas compris et que vous n'avez pas répondu à cet appel au pardon que le secrétaire général est venu demander du haut de cette chaire, je vous dis, accordez ce pardon-là aujourd'hui au secrétaire général. Et en son nom, par lui, à tous ceux qui ont mal géré. Oh, ils allaient peut-être que biso tous à la galélo na ba pota katina moté manabiso. Alléluia. Et c'est pour cela que il vous a donné le thème. Vous savez le thème. Nous étions ici en prière. Nous avons beaucoup prié. Mingi boya ki na binoté. Nous avons pris de bons moments de prière. Et c'est pour cela qu'on nous avait proposé cette année pour la journée de la CEPCO que nous exploitions Ésaïe 43. Particulièrement le verset 18 qui dit « Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. » C'est ça être aussi enfant de Dieu. Dieu quand il nous pardonne, il oublie tout ce que nous avons fait dans le passé. Il oublie, il efface notre passé. Devant Dieu, nous devenons des êtres nouveaux. Et Dieu nous demande de faire la même chose. C'est pour cela, bien aimé, c'est ça le message que moi je voulais vous livrer ce matin, ce jour où nous célébrons cette journée de la CEPCO. Oublions, c'est notre communauté. Alléluia. Alléluia. Nous devons nous soucier de notre communauté, comme Paul, qui témoigne qu'il avait toujours les soucis par rapport à son église. Écoutez ce qu'il dit, 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme extravagant. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par le coup, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'étais en péril sur le fleuve, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma maison, en péril de la part de païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, parmi les faux frères. Vous comprenez? Il était en péril même parmi les frères, mais de faux. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à de jeûnes multiples, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autres choses, je suis assiégé chaque jour par les soucis qui me donnent toutes les églises. Ça lui dérangeait, mais il tenait bon. Il continuait, il persévérait, parce qu'il savait qu'il avait quelque chose à faire. Et Paul nous dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Paul s'est sacrifié pour l'église de Jésus-Christ. Et il nous demande de faire autant. De nous sacrifier pour l'église
l'église de Jésus-Christ. Et Paul nous appelle, Philippiens chapitre 3, verset 16, au point où nous en sommes, marchons de même pas. Ayons la même pensée par rapport à notre communauté, qu'on ne nous trompe pas. Dieu nous a donné la SEPCO, c'est elle, notre église, et nous servons Jésus-Christ par la SEPCO. Alléluia. Alléluia. Ce que Paul veut que vous compreniez, que quand nous travaillons à l'ordre avec le Seigneur, quand nous travaillons pour le Seigneur, il y a à côté de nous des frères, comme il a dit, qui sont de faux. Paul dit ceci: au reste, frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour cela est salutaire. Paul dit, bien-aimé, dans vos salamus salano, yanzambe kati n'église. Paul dit ceci: prenez garde. Nanebi verset 1. Prenez garde aux chiens, aux mauvais ouvriers, aux faux circoncis. Nateyaga Likambo, une fois le secrétaire général était ici au courant de la semaine. Imaginez que Ngaï pasteur, je vous qualifie de chien. Antilobi Awa, dans une assemblée extraordinaire, pour tout étudier les Kamouana. Pourquoi pasteur Pierre nous a-t-il qualifié de chien? Mais Paul nous dit ici, dans l'église telle que nous sommes là parmi nous, il y a deux chiens. Il nous dit aussi que parmi nous, il y a des mauvais ouvriers. Donc, ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit, nous avons des chiens parmi nous. Nous avons des mauvais ouvriers parmi nous. Il y a aussi parmi vous de faux circoncis. Tenez compte de cela. Église, bandimi, mbote na biso bandimi. Bandimimbote na biso, boyebi ko lembi sabato. Faut te reconnaître que l'eau. Il y a des gens qui savent décourager les autres. Paul a lobby que bazaba chien. Parmi nous, il y a des chiens, il y a des faux circoncis et de mauvais ouvriers, baza. Soutenons notre église, bien-aimée. Je vous apprends que la SEPCO aujourd'hui compte plus de 1200 églises locales, plus de 1200 paroisses. Et ces églises à Mouké, plus de 1200 paroisses Tozakana. Si vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez non, non. Je prie, je soutiens mon église. Plus de 1200 paroisses aujourd'hui. C'est une grande église. La SEPCO compte plus de 1000 pasteurs à son actif. Plus de 1000 pasteurs Tozali. Moi, l'église, je suis à Makelen, je suis à Binoane, Bangi Sabinote. Alléluia. Nous avons aujourd'hui plus de 40 districts. Je pense qu'on en a aujourd'hui 44 districts. Ce qui est au temps, il y a des diacres, des diacones dans la SEPCO, ils sont plus de 20 000. Il faut tout chaka makelele. Quand j'ai donné dans un peu sa statistique, on a Guémena devant le pasteur d'autres églises protestantes. Bazo kamwa. Si vous avez la moins garde, si vous avez la statistique, c'est ça la SEPCO. Oui, c'est ça notre église. Vous avez belé. Alléluia. Nous avons plus de 732 écoles primaires. Près de 800 écoles primaires. Vous avez la SEPCO. École secondaire, on en a plus de 570.
Si vous avez l'effectif, on a plus de 200 000 élèves dans nos batanga kanase. Nous avons 9 grands hôpitaux de référence. La SEPCO. Le centre de santé, le Gola Oizana Sima, on en a 94, 94 centres de santé. Alléluia. Et nous avons des instituts supérieurs, donc universitaires. Et la SEPCO est cofondatrice de l'institution, l'Université protestante au Congo. SEPCO est parmi les fondateurs et universités. L'université de Kimpese, c'est quoi ça parmi les fondateurs Nango. Istem ba Congo, c'est quoi ça parmi les fondateurs. Paul a lobby que un bon athlète est celui quand il court, il oublie tout ce qui s'est passé ou tout ce qui se passe en arrière. Yazota la liboso. Courons de manière que Tobo Sanawe et c'est l'équipe. Total à Liboso, nous avons une très grande communauté. Nous allons soutenir la communauté Nabiso. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Bien-aimé, Jésus a besoin de toi pour que tu continues à soutenir spirituellement la SEPCO dans tes prières. Quand vous organisez des cultes en famille, vous allez s'embêler pour la communauté Nabino. La SEPCO, c'est notre communauté. Nous devons la soutenir spirituellement. Donc, quand on a un soutien financier, soutien matériel, c'est pourquoi qui tient un niveau de pauvreté tel que la SEPCO aujourd'hui n'a même pas un véhicule. Pourquoi on peut sa SEPCO donc? Est-ce que Péki Samuel Somba Jeep, pourquoi on peut sa SEPCO lobby? Parce que j'ai appris le 28 février dans le journal SEPCO que nous n'avons pas de véhicule. Oye, n'a pas de véhicule. Parce que le secrétaire de l'Obi, donc le frère a Péki. La SEPCO n'a pas de véhicule aujourd'hui. Il y a la fois passée, on nous a dit que tout ce pays 2500, pour tout ce pays, il y a ça. On nous a demandé 2500, mais si tu peux donner 5 dollars, tu peux donner 10 dollars, 100 dollars, paye ça. Pour quelque part, paye ça, moi, Sony, une grande communauté comme la SEPCO n'a pas de véhicule. Si elle n'a pas de véhicule, la faute incombe à qui? C'est à nous autres qui sommes membres de la SEPCO. Soutenons spirituellement notre communauté, soutenons matériellement notre communauté, soutenons aussi financièrement. La journée à SEPCO n'a qu'à la tant que vous avez qu'à SEPCO et à Kala. La journée à SEPCO, avant cela, tout le monde allait se faire inscrire au secrétariat pour Tchakombo dans une liste et sa contribution financière. Pour le fonctionnement de la SEPCO. Tout ça, la sous-baliste était. Bissonné, tout ça, la quitté. Ailleurs, ça, la angotile. Mais nous avons imprimé des enveloppes pour Tokabola qui vendredi. C'était dans ce cadre-là. On avait imprimé 250, combien encore? 270 enveloppes. En espérant que Moutounion soit gozoa. Sur 270 enveloppes imprimées, 117 enveloppes seulement Batoubazouak. Nous avons en notre possession 153. En principe, tout le monde devait recevoir une enveloppe, mettre une petite contribution pour le secrétariat général. Il y a une enveloppe en Ouéza. Ça se trouve où les enveloppes? Donc, tu as une enveloppe pendant les offrandes. Aux oies qui sont au courant de la semaine, je te prie une enveloppe bien-aimée. Tu as quelque chose dedans. Et ça va aider la communauté. Je fais partie du comité de gestion élargie à SEPCO. On avait réunion avant-hier. Nous parlions de la paye. Bientôt, l'agent à SEPCO va au salaire 3 mois. Là, nous avons eu salaire. Baza déjà dans 2 mois. Hey, à Simone. Notre sœur travaille à la trésorerie. Il y a SEPCO. Bientôt, bako sala 3 mois, bazui mbongote, salaire mbongwezate. Mais tanga actif, tanga kaka ba élément na pesio actif ya SEPCO, tout ce que nous avons. Et que notre secrétariat général ait de la peine pour payer ba jan naye. L'enveloppe salariale remonte à 20 000 dollars.
Et la communauté aujourd'hui a des difficultés à réunir 20 000 dollars chaque mois pour payer ses agents. Alléluia. Bon, Namoni Tosuki Sagawana, Tosuki Sagawana, parce que je sais que nous avons compris suffisamment. Et ce que nous allons faire ce matin, c'est prier pour notre communauté. Vous allez m'excuser, mais il fallait vraiment que je vous parle de tout cela. Pour que nous avons un poids que nous devons porter. Et ce poids-là, c'est notre communauté. Il faut se soutenir afin que l'œuvre de Dieu aille de l'avant dans notre communauté. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever, nous allons prier pour notre communauté. Allez-y.